So the G650 is the longest range business jet. It flies 7,000 nautical miles at Mach 8.5 and 6,000 nautical miles at Mach 9.0. That enables you to fly nonstop from Paris to Los Angeles or Paris to Hong Kong at 9/10 the speed of sound. Its maximum speed is Mach 0.925. It is the fastest certified civilian aircraft in existence today. In the cockpit, we have the latest state-of-the-art technologies to improve our pilot situational awareness and reduce the pilot workload. We have our new PlainView avionics system that has standard enhanced vision system that allows the pilot to see during low visibility conditions, nighttime, fog, and haze, and also has synthetic vision. So even if you're in zero visibility conditions, you can still provide that situational awareness to the pilots. Là, on fait des nouveaux moteurs effectivement qui consomment beaucoup moins, comme celui du Dreamliner derrière ou le 350. Et puis on s'oriente vers un avion électrique. Un avion électrique de ligne, c'était impensable il y a encore 5 ans. Aujourd'hui, sur le papier, on arrive à avoir des projets comme le Voltaire de EADS, avec deux hélices contrarotatives à l'arrière de l'avion, avec des super condensateurs et des piles à combustible, avec de l'hydrogène. C'est quelque chose qui devient aujourd'hui crédible. Et ça, c'est complètement nouveau. We want to start with small airplanes, get to know the architecture really well, master this, and after we will move on to the chain, you know, to get to what I call at the end the E-Airbus or the E-Eurocopter. On a réussi à coupler à la fois par l'injonction d'hélice eh bien, la capacité avion et par le rotor la capacité de l'hélicoptère. Et les deux étant utilisés en fonction du segment de la mission. Quand on est en transit, eh bien, on va davantage utiliser la composante avion. Et lorsqu'on va devoir décoller ou se poser, eh bien, on utilisera la capacité rotor de l'hélicoptère. On a envie de nouveau. Alors peut-être des avions à voilure variable, on le voit dans les progrès ou dans les projets numériques. On voit également quelques maquettes volantes, des avions électriques et c'est encourageant pour l'avenir.
La question aujourd'hui n'est plus de faire de nouvelles plateformes pour moi. Et nous en avons une chez Sagem qui a démontré ses capacités. Il faut maintenant travailler sur la partie capteur, sur la partie traitement, pour effectivement délivrer à l'utilisateur final les informations de meilleure qualité. Descends tout, on va le pencher. Thank you.